majeur pour nous, puisque depuis 2 ans, on a souhaité se régionaliser. Et donc, on est partenaire d'Impact sur la tournée des achats impactants qu'on vous a déjà mis en avant. L'idée est simple, c'est de proposer des spin meetings entre entreprises, acheteurs, prescripteurs locaux et des prestataires au niveau des achats responsables dans leur globalité. Ce qui est intéressant aussi avec Impact, c'est que vous avez les ESAT, les entreprises adaptées, les prestataires au niveau de l'insertion et les prestataires autour de justement du pacte et des QPV. Voilà, l'idée aujourd'hui, ça va dans ce sens-là aujourd'hui également, c'est de mettre en avant, de faire intervenir trois entreprises différentes pour vous donner des billes et que vous puissiez après nous faire ces remontées et échanger. On mettra aussi à disposition les coordonnées, s'il le souhaite, un des intervenants, d'une stratégie d'achat responsable en région. On l'a constaté, pardon, nous, auprès des organisations et des entreprises qu'on accompagne, c'est que souvent les organisations sont très différentes d'une entreprise à l'autre, la politique interne est très différente, l'organisation avec les directions achats, avec les directions mission handicap, les directions RSE sont toujours extrêmement différentes. Et on a quand même constaté, et c'est le cas aussi pour nous, qu'il y a une volonté de donner de plus en plus de poids aux régions et de rendre le plus local possible l'acte d'achat. Alors aujourd'hui, je vous montre juste le programme, puis je vais revenir à ce slide. Vincent Gauvelet va intervenir pour vous présenter tout ce qui peut tourner, pardon, à une organisation d'achat repensée chez Veolia pour aller le plus proche des clients locaux. Donc on va commencer avec Vincent juste après. Je te donnerai la parole, Vincent. On va enchaîner ensuite avec RTE. Donc pour info, RTE est soumis à la commande publique. De manière similaire, RTE, quel recours aux entreprises inclusives va avoir RTE et dans quel cadre ça s'inclut avec la commande publique qui a également ses particularités. Donc on a cet axe-là également aujourd'hui qu'on propose. Et enfin, Franck Martinez, donc qui est responsable national AQVT chez Decathlon, va nous présenter également comment Decathlon a mobilisé auprès de ses collaborateurs et comment Decathlon essaye de développer cette politique d'achat responsable. À la différence un petit peu des deux autres intervenants, c'est que là, Decathlon a, vous en doutez, énormément de points de vente de magasins, d'entrepôts et pléthore d'intervenants. Donc là, on a une logique d'un groupe vraiment avec un nombre de prescripteurs possibles très élevé. Voilà. Alors, je vais laisser introduire Théodore d'Impact et vous présenter le premier cas avec Veolia. Je ne sais pas si Théodore, tu es là. Oui, si vous m'entendez, tout va bien. Alors, donc on va échanger avec Vincent Gauvelet. Bonjour Vincent, je ne sais pas si vous nous entendez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter rapidement et présenter brièvement Veolia également? Oui, très bien. Donc, déjà, merci hein, pour l'invitation à ce webinaire et merci de pouvoir nous laisser la parole et participer à cette réunion. Alors, bon, moi, je travaille à la direction des achats nationales de Veolia en France, hein, qui est une des entités du groupe Veolia. Dans cette direction, j'ai en charge un certain nombre de portefeuilles d'achats, différentes familles assez diverses, hein, finalement, mais toujours liées globalement à l'assistance à l'exploitation. Et j'ai également donc un rôle de référent national STPA. Sur cette direction. Voilà. Les services avec lesquels on est en direct hein, à la direction achat nationale de l'eau, bah, en fait, c'est tout, hein, c'est tous les services de l'eau France. On a quelque part hein, une sorte de rôle pivot hein, qui fait qu'on va être autant en lien avec l'exploitation qu'avec les supports. Rapidement, l'activité de Veolia, alors particulièrement l'activité de Veolia Eau, hein, puisque l'activité de Veolia est répartie en trois métiers, hein, grosso modo, l'énergie, la propreté et l'eau. Moi, je travaille pour l'entité Veolia Eau France. Donc, c'est une unité qui est principalement orientée vers donc, la production et la distribution d'eau potable, et puis la collecte et le traitement des eaux usées, puis tous les services environnementaux associés à ces métiers. La majorité de nos clients sont des clients collectivités, hein, mais on a de plus en plus
de développement vers les clients industriels. Et donc, on a effectivement une clientèle qui est très, très éclatée puisqu'elle est, elle est territoriale, hein, la compétence eau étant une compétence communale ou une compétence d'agglomération. Voilà. Alors, du coup, suite à une réorganisation globale de Veolia au niveau national, la stratégie achat, elle aussi évoluait, hein, Vincent. Donc, pouvez-vous nous expliquer l'organisation globale de Veolia avant, après, et peut-être l'impact au niveau des achats? Oui, alors effectivement, bon, on est une vieille maison, hein. On a été créé en 1853 et on a subi un certain nombre de réorganisations, subi et collaboré à un certain nombre de réorganisations. La dernière en date, c'est une grosse réorganisation dans l'entité Hauts-de-France en 2018, début 2018, avec finalement un recentrage vers ce qu'on appelle les territoires. C'est un peu à la mode, un mot à la mode en ce moment, c'est un mot qu'on a aussi réutilisé nous pour finalement subdiviser un petit peu le territoire français. Collé à peu près finalement à l'organisation administrative, hein, on n'est pas très loin des départements, on a fait quelques regroupements, mais ça ressemble à ça. Et donc l'idée effectivement a été de mailler Veolia pour repenser la proximité avec nos clients locaux, donc avec les maires, avec les communautés d'agglomération, et vraiment être plus proche du terrain. Cette organisation est chapeautée quelque part par une direction nationale qui sert de support à l'ensemble et puis un petit peu d'animation. Et donc en fait finalement au niveau achat, ben c'est la même chose, hein. On a une direction achat qui a été créée au niveau national et puis surtout d'ailleurs des directions achat de région. Qui elle s'occupe donc des territoires, hein, puisque la France est divisée en régions puis subdivisée en territoires chez nous, pour pouvoir avoir justement une couverture locale des besoins et pas uniquement des achats centraux qui régentent l'ensemble de l'activité. Que dire d'autre sur cette déclinaison? Ben finalement, en fait, cette déclinaison d'organisation, elle est ad hoc, hein, elle ressemble en fait un peu partout au même schéma. Un certain nombre d'acheteurs par région, avec des spécificités, des portefeuilles différents et adaptés aux besoins des régions. Et finalement, du coup, un réseau d'acheteurs en fait qui constitue l'ensemble de notre filière achat chez Veolia. Voilà, Théodore. Alors, est-ce que vous avez peut-être un retour à nous faire sur les premiers résultats et selon vous, si ces résultats sont plutôt positifs, quels auraient été les facteurs clés de succès? Alors. Enfin, les premiers résultats déjà pour l'organisation, c'est qu'on a réussi finalement à recoller un certain nombre de clients collectivités et à refaire vivre notre unité Hauts-de-France au niveau attendu. Donc ça c'était le premier. Particulièrement sur les achats, ça nous a permis aussi de reprendre la main sur les fonctions qui étaient pas systématiquement organisées en groupe et ça nous a permis de ben, tout simplement de nous inscrire profondément dans la réalisation des plans de performance de l'entreprise. Au niveau STPA, ben, cette organisation-là, en fait, on a simplement profité du fait qu'elle se remette en place et qu'elle soit neuve pour également ben, objectiver les acheteurs sur la dépense faite auprès du STPA. C'était une volonté assez importante pour nous. Ça correspondait à nos engagements. Ça correspondait aussi à notre éthique, à la raison d'être du groupe et de l'unité Veolia Hauts-de-France. Et donc, on a décidé de profiter de cette refonte complète pour inscrire la dépense STPA dans, et puis de toute façon, de manière plus générale, la dépense achat responsable dans le monitoring de nos dépenses pour pouvoir, d'une part, objectiver les acheteurs, d'autre part, avoir des points de comparaison d'année en année pour pouvoir évaluer la performance de notre politique et de nos actions,
puis éventuellement les corriger et les améliorer d'année en année. Super, merci beaucoup. Je pense que on peut peut-être prendre des questions très rapides. Moi, j'avais une question complémentaire, plutôt une poursuite de l'interview avec Vincent. Est-ce que vous pouvez nous illustrer, notamment à travers des exemples très concrets, je sais que vous avez, au-delà de la prestation achat, vous contribuez actuellement au développement d'une filière pour les plateaux repas. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelques mots sur ce projet-là ? Ouais, effectivement. Ça me permet aussi de faire le lien et puis de remercier Gézette. On a le facteur clé de la réussite de tout ça, ça a été l'accompagnement très proche de Gézette. Avec Fabrice, on a réussi à créer quelque chose, à faire du lien avec la mission RH d'Eolia sur le STPA. Et donc, de fil en aiguille, Gézette a commencé à me proposer un partenariat un peu innovant autour des ateliers gourmands. Alors, les ateliers gourmands, c'est une marque qui a été créée, qui est soutenue par Gézette et qui regroupe pour l'instant 6 Gézette spécialisés, enfin, en type d'activité, mais qui font des plateaux repas. Donc, sous un seul modèle, avec une seule tarification, un cahier des charges commun. Et donc ça, c'est une des actions qui nous a beaucoup plu, qui s'inscrit complètement dans notre politique et qu'on promeut au niveau national, avec bien évidemment l'objectif qu'on ne s'arrête pas à 6 ESAT et que cette marque gonfle et puisse couvrir mieux le territoire français, parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est quand même assez localisé. Donc on s'inscrit dans ce partenariat pour aider au développement. Bon, voilà, donc ça s'est tout simplement concrétisé par un contrat cadre national avec les ateliers gourmands. Merci Vincent, merci beaucoup de ton intervention. On peut prendre des questions, vous pouvez activer un micro si vous le souhaitez et on suit également le chat. Si jamais vous mettez du temps à taper, c'est pas grave, mais on peut de toute manière reprendre les questions à la fin de ce webinaire. Voilà. Écoutez, si on n'a pas plus de questions, je vous propose qu'on les prenne à la fin. Merci beaucoup Vincent. Du coup, je passerai tes coordonnées si tu le veux bien. Et donc, si certaines entreprises ont également des projets similaires à développer, on est toujours preneur de favoriser l'échange. Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, je vais passer la parole à Claire. Juste, on a peut-être oublié quelque chose d'important, Claire, mais je ne me suis pas présenté. Je suis Fabrice Loire, je suis responsable du pôle partenariat d'entreprise. Je te laisse te présenter, Claire, et introduire le retour d'expérience suivant. Exactement. Moi, je suis Claire Nicoletti, je suis responsable des relations avec les entreprises, donc dans le pôle dans lequel travaille Fabrice. On connaît déjà un certain nombre d'entre vous. Et on va donc maintenant accueillir effectivement Iris Brossard. Est-ce que vous m'entendez, Iris Brossard ? Oui, je vous entends, merci. Bonjour à tous. Donc, Iris travaille chez RTE on a souhaité qu'RTE puisse intervenir pour parler de son expérience d'achat au niveau national, mais aussi au niveau régional, dans le cadre spécifique qui est celui du Code de la commande publique. Pour commencer, Iris, je vous propose peut-être de vous présenter et puis de nous représenter brièvement RTE, puisque tout le monde n'est peut-être pas forcément familier avec l'ensemble de vos activités. Oui, bien sûr. Donc, pour présenter rapidement RTE, donc RTE, c'est le réseau de transport électricité. Donc on est présent sur l'ensemble du territoire national. Donc, comme le disait Fabrice Loire précédemment, on est régi par le Code de la commande publique parce qu'on est on a une mission de service public. Et après, pour ma part, moi, je suis donc acheteuse régionale sur la région du Grand Est, donc là à Nancy. Et j'ai aussi une casquette d'acheteuse famille sur le segment immobilier. D'accord. Et alors, aujourd'hui, quelles sont les principales problématiques que vous rencontrez et que la direction des achats rencontre au niveau des achats ? Vous avez notamment obtenu le label RFR, donc Relations Fournisseurs Responsables en 2019. Qu'est-ce que ça a impliqué ? Quelles sont les choses que vous avez dû mettre en place pour l'obtention de ce label et puis pour continuer à le faire vivre ?
Oui, effectivement. Donc en 2019, on a obtenu ce label RFA. On a aussi été signataire en 2016 de la charte achat responsable, donc RTE, donc qui prévoit quatre piliers qui sont entretenir une relation équilibrée avec nos fournisseurs, promouvoir des conditions de travail satisfaisantes pour nous et nos fournisseurs, réduire l'empreinte environnementale évidemment sur nos achats et être acteur du développement local. Donc, en fait, c'est un lien entre cette charte achat responsable et les exigences du label qu'on va essayer de pratiquer en fait au quotidien. En termes de problématiques, ce qu'on va rencontrer, c'est plutôt dans l'application justement de ces leviers d'achat responsable dans nos stratégies achats. On a des achats qui sont à forts enjeux à la fois stratégiques et sur lesquels on peut rencontrer un risque électrique fort. Donc, en lien avec notre activité cœur de métier. De ce fait, on va avoir du mal à déroger, on va dire, à notre panel fournisseur qui va être très strict et très, qui va être très expérimenté. On va pas pouvoir déroger à ce panel classique. Et il va être un peu plus dur, on va dire, d'adapter des stratégies plutôt responsables. Voilà ce que je peux vous dire. Après, ce qui se passe également, c'est que, étant régi par le code de la commande publique, chez RTE, en fait, les achats en dessous de 40 000 euros ne sont pas gérés par la direction achat, mais par les métiers eux-mêmes directement. Donc, en fait, on a beaucoup moins, nous, de visibilité en tant qu'acheteurs sur ce qui se passe en dessous de 40 000 euros dans notre région. Donc, on a un rôle aussi de pédagogie envers les métiers en région, justement, pour les impliquer sur ces leviers achats responsables, et du coup d'essayer de les accompagner pour mettre en place des solutions plus responsables sur certains achats qu'ils n'auront pas forcément identifiés au quotidien. D'accord. Et comment se traduit cet accompagnement? Est-ce que vous mettez à disposition certains outils, auprès des métiers, justement? Oui, on essaye. Alors, déjà, on s'est beaucoup aidé du réseau GESAT. On a pu réaliser dans certaines régions un diagnostic achat. Donc, sur notre portefeuille d'affaires annuel, en fait, le réseau GESAT nous a aidé à essayer de définir quel type d'achat pouvait être réalisé par des ESAT ou des EA. Donc, nous permettant ainsi de pouvoir réserver des marchés ou des lots à des entreprises adaptées ou des ESAT. En région aussi, localement, on a organisé sur plusieurs régions des speed meetings en fait entre les partenaires du réseau GESAT et les différents métiers de RTE pour que justement les métiers puissent rencontrer le tissu local et puissent voir qu'est-ce qu'ils font exactement. Et en fait, c'est par la connaissance de ce tissu local et de ces ESAT-EA qu'on peut du coup favoriser les achats responsables. D'accord. Et vous avez déjà peut-être certains retours des marchés qui ont été, depuis l'obtention de ce label et la mise en place de toutes ces actions, peut-être particulièrement réussies? Oui, déjà d'un point de vue sur mes confrères chez RTE, ils ont été très satisfaits de ce type de démarche en région. C'est quelque chose qui les touche aussi et il y a une vraie implication pour notre part en région sur le sujet. Donc, ils sont très demandeurs de ce type de démarche et de ce type d'action. Après, je sais que ça a pu générer pas mal de commandes ponctuelles. On a encore du mal à mettre en place des choses sur des marchés cadres, sur des gros volumes ou sur de la longue durée. Mais ponctuellement, on a eu plein d'achats qui ont été réalisés. Donc, si on passe sur un exemple concret en dessous des 40 000 euros, donc non géré par la direction achat, on a des paniers repas, on a des paniers cadeaux, on a différentes actions, par exemple du lavage de voitures de service qui a été mis en place auprès des ATEA. Et après, pour des marchés plus gros, plus volumineux gérés par la direction achat, souvent on va essayer de réserver des lots pour des marchés de travaux ou alors pour des marchés plutôt tertiaires. Donc, on essaye de, on a plein de petits succès, on va dire, chaque année et dans chaque région, et qui font que, voilà, on est dans une vraie dynamique et on essaye de continuer cette dynamique et de la porter encore plus chaque année.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, effectivement, vous nous avez fait part, lorsqu'on a préparé cette interview, de contraintes liées, vous le disiez, au risque électrique, à des volumes qui sont très importants parfois. Donc aujourd'hui, vous êtes plutôt dans une démarche, bon, le risque électrique existe bien sûr, mais de quand même pouvoir au moins confier ne serait-ce qu'une petite part de vos marchés à des prestataires ESAT, entreprises adaptées, ou à des structures de l'insertion, parce que je crois que vous êtes aussi... Vous avez aussi pas mal de démarches en faveur de l'insertion par activité économique. Donc, il y a vraiment une généralisation chez vous des leviers contractuels qui sont finalement à votre disposition pour développer ce recours. Oui, c'est ça. Et en fait, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le code de la commande publique, qui peut paraître parfois restrictif, en fait, ne l'est pas forcément pour ce type d'achat responsable. Et justement, nous, on sait, enfin, en tout cas, on essaye d'utiliser à bon escient ces règles qui nous régissent. Par exemple, on peut réserver un marché complet ou des lots en entier à des entreprises du STPA, du secteur du STPA. Et le code de la commande publique nous incite aussi fortement à allotir nos marchés. Donc, pour nous, ça nous permet de, par exemple, pour un marché de travaux, de faire du macro-lot, donc des lots par spécialité de type de métier, et du coup, de plutôt favoriser le développement de l'économie locale en passant des marchés auprès de petites entreprises et de petites entreprises du secteur. Concernant l'insertion par l'activité économique, effectivement, on s'entoure de la Maison de l'Emploi du Grand Nancy, qui est un partenaire qui nous aide en fait à structurer nos marchés de travaux en fonction des corps d'État qui vont être achetés et en fonction des ressources qui sont disponibles en région et des personnes qui sont éligibles à l'insertion économique. Donc, on essaye de mettre en place des volumétries sur des marchés, soit on les impose, soit on demande aux entreprises que l'on va consulter d'avoir un objectif ou de nous faire part d'un objectif sur de l'insertion économique. Et vous nous disiez en préambule que donc il y a une direction des achats au niveau national et ensuite des directions régionales. Comment ça se passe au niveau de l'instauration finalement de toutes ces actions? J'ai cru comprendre qu'il y avait une part d'initiative assez importante au niveau régional. Donc, il y a certaines régions qui sont peut-être un peu précurseurs, un peu pilotes sur le sujet, qui vont mener des projets. Et ensuite, comment au niveau national, vous allez réussir à vous servir finalement de ce qui est fait en région pour l'essaimer partout en France? Vous avez des bonnes pratiques à ce niveau-là? Ouais, ça, enfin, clairement, c'est uniquement de la communication, mais effectivement, on va dire que ça, enfin, que la direction achat a des obligations et un message fort sur le sujet qu'elle du coup donne à ses acheteurs. C'est vraiment c'est un peu dans notre ADN d'acheteur d'utiliser tous les leviers achats responsables que l'on peut. Et après, nous en tant qu'acheteurs, on va diffuser en fait, on va prêcher un peu cette bonne parole auprès de nos prescripteurs, donc de nos directions métiers régionales. Et après, effectivement, c'est par le biais de ces actions-là qu'on va pouvoir, et c'est par le biais de la rencontre aussi avec des interlocuteurs du secteur, qu'on va essayer de mettre en place des nouvelles actions. Et puis après, quand on a des choses qui sont positives, qui fonctionnent, nous, on les remonte à nos directions. Et après, voilà, il y a un travail d'essaimage, effectivement, de communication des bonnes actions, des bonnes pratiques et surtout des petits succès régionaux, des petits ou des grands succès régionaux même parfois. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des principaux éléments. On va peut-être se garder aussi un temps pour prendre quelques questions si vous en avez. Alors, je reprends juste la parole deux secondes, Claire. Franck, je coupe ton micro deux secondes, pardon. J'ai un écho. J'ai des questions donc concernant Vincent. On avait enchaîné vite et je me suis douté que des gens étaient en train de taper des questions. Donc, on va prendre rapidement les questions, hein, s'il vous plaît, mais c'est quand même intéressant aussi d'avoir des retours parce qu'on a 6 ou 7 questions. Donc, je vais demander à nos intervenants d'être le plus concis possible. Vincent, si tu as réactivé ton micro, du coup, j'avais une question de Sophie Dubois de Naval Group. Elle te demandait quels moyens avez-vous donné aux acheteurs pour remplir leurs objectifs? Comment convaincre leur propre DHA, leur direction achat et prescripteurs, etc.
Alors, quel moyen? Bah, on a mis en place en fait un suivi régulier déjà de leurs dépenses, qui était pas et qui était avec un monitoring, ce qui n'était pas forcément, qui n'était pas forcément le cas. Et après derrière, on les a accompagnés hein, avec les missions handicap RH nationales et locales pour trouver, des entreprises et répondre à leurs besoins. Et puis générer aussi des idées. On a fait appel à GESAT, hein, clairement, GESAT avec son sourcing, son outil de sourcing. Nous, on est partenaire, donc on peut bénéficier effectivement de cet outil de sourcing et ça répond à une des questions que j'ai vues tout à l'heure défiler dans le Oui. chat. Comment êtes-vous au courant des différentes dates, etc. Bah, je vous encourage clairement à utiliser l'outil de sourcing du réseau. Il est hyper performant et ça marche par mots-clés, par besoin, etc. Donc ça a bien fonctionné. On a fait participer GESAT à nos comités achats nationaux et régionaux pour justement faire connaître la puissance de l'outil et puis créer des liens avec GESAT pour répondre à des besoins. Et puis convaincre les prescripteurs, ça n'a pas été vraiment un problème ni nécessaire parce qu'on était déjà tous inscrits dans une démarche plutôt responsable et vertueuse. Et l'achat local, c'est quelque chose qui est dans notre ADN chez nous, hein, de par la spécificité de notre clientèle locale. Donc il n'y avait pas vraiment de grosses difficultés là-dessus. Bon, D'accord. dernier truc, on s'est appuyé sur quelques success stories hein, qui avaient été menées localement. Je pense à Oui, une grosse, pour appuyer. voilà, une grosse success story importante sur une prestation informatique et intellectuelle de réponse aux demandes de travaux. Dans D'accord. notre région sud. Et évidemment, ce genre de choses marche bien pour faire comprendre qu'il n'y a pas de. Pour ceux qui auraient quelques réticences à travailler avec le CPA, il n'y a pas de problème. J'ai une dernière question, Vincent, avant de laisser aussi la parole à Iris sur d'autres questions. Pardon, Frédéric Tabary de la SNCF te demande si tu as reporté certains achats du central vers la région. Pas spécifiquement. Les achats sont déjà très régionaux. En fait, nous, on est sur du en national, on est sur du support et de l'achat régalien, donc pas forcément. D'accord. Du coup, il y avait une question commune, mais comme ça, je veux faire une parité dans les réponses. Frédéric Tabary de la SNCF également vous demande, donc on va commencer par Iris, ce serait intéressant d'avoir le retour d'RTE, si vous avez un objectif d'achat chiffré en montant. Oui, on en a un, alors qui n'est pas fixé par la direction achat en tant que telle, mais qui est fixé plutôt par notre direction RH. En fait, c'est par le biais d'un accord handicap. D'accord, C'est donc un c'est dans le cadre de montant l'accord. qui, ouais, c'est ça. C'est un montant qui se veut évolutif. Et sur la dernière année, on était sur un objectif de 2 millions d'euros d'achat en lien avec le STPA. Et Vincent, du coup, côté Veolia. Même réponse, on l'a effectivement fixé. Là, sur cette année, on est à 3 000. D'accord. Et une question, Iris, qui vous était adressée, c'est. Alors, attendez, c'est Anne-Marie Tristan, excusez-moi, je ne voyais pas bien. Pouvez-vous préciser, pardon, les leviers achats responsables dont vous parlez? Alors, les leviers achats responsables, en fait, c'est en lien avec nos objectifs de la charte achats responsables que je décrivais au début. Donc, en fait, on en a quatre qui sont des piliers. Donc, on a l'entretien d'une relation équilibrée avec nos fournisseurs. Donc là, par exemple, ça va se définir par le biais de définir des engagements financiers et de définir une durée sur nos marchés. Est-ce que vous m'entendez? Oui, J'ai un on petit entend bruit. très bien. Non, non, c'est Ok. très bien. Effectivement, donc ça, on va essayer de mettre en place soit un engagement financier et ou aussi une durée bien définie et une durée assez longue pour favoriser en fait cette relation équilibrée avec nos fournisseurs. On a la promotion des conditions de travail satisfaisantes pour nous et nos fournisseurs. Donc là, on est plus sur un enjeu de sécurité. La réduction de l'empreinte environnementale. Donc là, on va essayer de faire appel à des entreprises locales pour essayer de réduire en fait le temps de trajet, par exemple, et être acteur du développement local. Donc effectivement,
on va là aussi se diriger vers des entreprises qui seront à faible maillage géographique. Donc, en fait, on a ces quatre grands piliers. Après, à nous, acheteurs, avec nos prescripteurs en région, de définir comment on peut appliquer ces piliers et du coup, appliquer ces leviers-là par rapport à notre achat. Alors, j'enchaîne les questions. Il nous reste 5 minutes avant de passer au dernier retour d'expérience. Donc, ça a entraîné beaucoup de questions. Plus vous répondez à nos questions, plus on nous en pose. Donc, c'est bien. Après, peut-être que les dernières, si jamais on n'a pas le temps d'y répondre, ce qu'on avait fait sur d'autres webinaires, on peut compiler également les réponses après par écrit et vous les envoyer. Ou vous pouvez également, si vous avez le temps, Iris, Vincent et Franck, rester connectés à la fin et on pourra prendre un temps de réponse supplémentaire quand on aura terminé le webinaire. C'est pour ceux qui veulent rester connectés. Oui, donc, une dernière question. Alors, attendez, je vais prendre en ordre chronologique. J'ai Julia Bouchard de SNCF Réseau qui vous demande, pouvez-vous s'il vous plaît donner des exemples types de travaux qui ont pu faire l'objet de lots ou de marchés spécifiques ? Intéressant. Oui, alors sur les travaux, on va être sur des travaux immobiliers. On ne va pas être sur des travaux réseau, hein, principalement, ça va être des travaux immobiliers. Donc là, c'est surtout dans le biais de notre travail avec la métropole du Grand Nancy pour essayer de faire de l'insertion sur certains lots. Donc, ça peut être sur le lot plomberie, sur le lot gros œuvres, sur le lot peinture. Ça, en fait, c'est vraiment spécifique à la localisation géographique de nos achats. D'accord. J'ai une question qui nous concerne également, qui est intéressante. C'était... je pense que c'était pour rebondir à ce que disait Vincent sur le fait que le réseau GESAT intervient et peut vous permettre de sourcer les prestataires du secteur de handicap. La question, c'était comment trouver des prestataires sur l'insertion. On a également des homologues sur l'insertion. Alors, il y a beaucoup d'acteurs différents dans l'association. C'est un peu plus parcellé. Vous avez l'AVIS qui a une base de données globale avec quelques types de prestataires. Et puis après, au cas par cas, on peut aussi, nous, vous mettre en lien avec les responsables locaux au niveau de l'insertion. Il n'y a pas une grosse base de données comme on peut avoir avec nous sur le handicap, mais il y a quand même beaucoup d'acteurs, donc n'hésitez pas aussi à nous solliciter là-dessus, on pourra vous mettre en lien, ce serait intéressant. On est tout à fait ouvert aussi à développer l'insertion et puis les passerelles avec le handicap plus tard. Claire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que au niveau du timing, je te laisse un peu mettre du temps. On peut prendre encore une dernière question et puis à la fin, on aura 10 minutes, je pense, pour d'autres questions. Ok, donc si on est en retard, c'est de ta faute. Merci. j'ai une question. Alors attendez, parce que le scroll bouge en même temps que vous posez les questions, que je ne m'y perde pas. Tac. Voilà, Sophie Dubois, donc Naval Group, excusez-moi. Chiffre d'affaires évolutif, point d'interrogation. En pourcentage évoluant par an, comment l'évolution est-elle déterminée par RTE ? Alors, je lis la question en même temps, je ne suis pas sûre d'avoir... 10h04, oui. Oui, chiffre d'affaires évolutif, donc j'imagine que c'est pour les objectifs. Oui, effectivement, comme Veolia, on est sur un chiffre d'affaires évolutif. Après, le nouvel objectif doit, il me semble, prochainement être dévoilé. J'avais en tête 3 millions d'euros sur la dernière année qui doit être 2021. Et après, pour la suite, je ne sais pas. Et comment l'évolution est-elle déterminée ? Alors ça, l'accord handicap est géré principalement, il me semble, par la direction des ressources humaines. Donc, moi, je n'aurais pas cette réponse-là aujourd'hui. D'accord. Bon, on pourra après faire un retour à Sophie en parallèle. Merci beaucoup Iris. Restez connectés du coup après. Il y a Jérémy Picard de l'association Aide, Anne-Marie Dunier d'Orange qui a également posé des questions. On les a vues, on va y revenir. D'accord. Merci de votre intervention. Petite précision aussi, on a valorisé les 10 ans de notre partenariat sur notre site et sur notre page LinkedIn avec une vidéo retraçant ce que vous avez mené au niveau des speed meetings sur la région Est. Donc je vous invite à consulter notre actualité sur notre site internet pour voir cette vidéo disponible. C'est assez intéressant. Merci beaucoup, Iris. Franck, est-ce que tu peux réactiver ton micro ? J'ai vu que tu l'avais activé tout à l'heure. Bonjour, Franck.
Bonjour à tous. Alors, je te laisse te présenter rapidement, présenter Decathlon pour ceux qui ne connaissent pas. On va attaquer tout de suite sur le sujet après de la manière dont tu agis au niveau achat. Donc moi, je m'appelle Franck Martinez, responsable pour Decathlon de la qualité du travail, qui englobe entre autres donc, la question handicap. Hein, donc, je mettrai là-dessus. Decathlon, en France, c'est 1600 magasins du monde, 55 ça, pays. Ça assure un tout petit peu, Franck, je ne sais pas si tu capes là où tu es. Et moi, je capte rien. Ça assure un tout petit peu, si jamais tu as un casque ou quelque chose, c'est peut-être le micro. Non, est-ce que là, non, c'est bon. Ou pas non, c'est bon. Parle bien face du micro. Alors, parle bien face du micro. Et un peu moins fort ton haut-parleur, on a des petits saccades. Donc, je sais que Decathlon, c'est 315 magasins en France, à peu près 1600 au monde, 55 pays, donc pour une affaire de 14 milliards d'euros de chiffre. Aujourd'hui, vous m'entendez toujours bien? Je suis un petit peu quand même. C'est pas. Ouais, pour ouais. Non, peut-être. Je rentre parfaitement. Si vous avez des écouteurs, peut-être retirez-les pour. Si vous êtes sur un téléphone ou. Non, je suis sur mon ordinateur. Non, du tout. Je vous entends bien pourtant. Ouais. Non, ça coupe toutes les 5 ça secondes. Coupe, je suis désolé, Franck, mais ça coupe un petit peu. On n'a pas les phrases en entier. Pas les phrases. Ah! Tu n'as pas d'écouteur à tout hasard. Non, je n'ai pas d'écouteur. Ou la possibilité de nous rejoindre sur un téléphone avec l'application Teams, si vous l'avez déjà. Ouais. J'essaie de me connecter par mon téléphone. Oui. Du coup, je vais prendre des questions en attendant que tu te reconnectes. Tout de suite. Alors, désolé pour le petit souci technique. Du coup, j'avais une question. Donc, Jérémy Picard, qui est acheteur Association Aide, qui posait la question. En termes de contractualisation, essayez-vous de monter des contrats au niveau régional ou restez-vous sur des contrats locaux? Alors, je pose la question à Iris. Hein, Vincent, n'hésite pas si tu veux également intervenir. Pensez juste à réactiver vos micros. Vincent, je t'en prie. Ouais, moi je travaille sur une direction nationale. Hein. On fait les deux, très clairement. On fait des contrats locaux chez nous, ça n'existe pas. Hein. On fait des contrats régionaux ou des contrats nationaux. Ce qu'on va appeler local, ça va être des régionaux. On fait des contrats cadres nationaux. Hein. Typiquement, le dernier exemple en date, c'est les ateliers gourmands dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, on fait effectivement des contrats cadres régionaux. Qui répondent à des besoins dans le temps, hein, parce que nous, on est quand même sur des prestations de délégation de services publics sur un temps relativement long. Donc, les deux existent, effectivement. Iris, est-ce que vous souhaitez également intervenir? J'ai des petits problèmes de connexion. Est-ce que vous pouvez juste me répéter la question pour être sûr d'avoir bien compris? En termes de contractualisation, pardon, essayez-vous de monter des contrats au niveau régional ou restez-vous sur des contrats locaux? Alors, je vous avoue pas très bien comprendre la question non plus, mais alors effectivement, nous, si vous voulez, on est soit en contrat, en marché, on va dire régional, soit en marché national. Donc, effectivement, pour tout ce qui va être achat régional, on va être sur un marché régional et rétrospectivement, la même chose pour le national. D'accord. Alors, Fabrice, je me permets, il y a une question qui a été, je pense, zappée dans le fil. C'était Fabienne Béal qui demandait qui a été à l'initiative d'une politique achat responsable dans vos organisations. Est-ce que c'est la direction achat, la direction générale, RSE ou les directions clientes? Finalement, qui a décidé d'arbitrer la délocalisation de certains achats pour favoriser les achats responsables et locaux? Alors, pour RTE, ça a été donc initié au début avec donc la signature de cette charte achat responsable, et c'est à l'initiative de la direction générale, de la direction achat. En fait, c'est un mix de réflexions qui a été mise en place, et du coup, ça a débouché sur cette signature-là de la charte achat responsable. Mais c'est une volonté commune de la.
Ok. Est-ce que Vincent, vous, c'est la même chose de votre côté ou vous avez une spécificité? Pour Veolia, c'est effectivement aussi Veolia Eau, c'est effectivement une volonté commune. Ça a été initié au départ avec une convention handicap qui avait été signée par les RH. Et c'est effectivement la direction des achats qui s'est emparée après de ce sujet et qui a été motrice pour justement modifier un petit peu notre façon de gérer les achats et arriver à faire rentrer l'achat responsable dans nos habitudes. Merci. Fabrice, je te laisse reprendre si tu as une autre question sous le coude. Je vais essayer de contacter juste Franck, je te laisse prendre les autres questions en attendant, sinon je vais intervenir en son nom pour Décathlon. Je vais juste reprendre les questions qui suivent. Petite question donc de Anne-Marie, Tristan qui demandait si votre taux d'emploi était supérieur à 6% tous les deux. Non. Je vous avoue que je n'ai pas cette information non plus, c'est au niveau de la direction RH qui pourrait renseigner, mais je peux me renseigner et essayer de répondre sur le chat. Super, donc faisons comme ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors ça, on y a répondu. Je crois qu'on n'a pas pris la question d'Anne-Marie Dunet qui demandait si les objectifs financiers sont apparus avant ou avec la nouvelle loi sur la réforme de l'OETH. On prend cette dernière question et après je vais voir avec Franck qui s'est reconnecté. Hein. Vous m'entendez? Oui, très bien là. Ah, super. Une dernière question, Franck, et on attaque sur Décathlon. Du coup, je vous laisse répondre très rapidement. Est-ce que c'est des objectifs qui sont récents, apparus depuis la réforme, ou c'était déjà quelque chose qui était dans les tuyaux avant chez vous? Ça date d'avant la réforme, hein, pour nous. Nous, ces objectifs sont apparus à partir de 2018-2019. D'accord. Donc, c'est aussi c'est assez lié avec l'activité, l'actualité réglementaire, mais c'était une volonté déjà initiée d'avant, j'imagine. Si vous avez initié en 2018-2019, c'est que les choses avaient commencé à être réfléchies en amont. Alors, on va reprendre avec… Tu peux te reconnecter, je vais mettre ma caméra. C'est bon, là, vous m'entendez bien? Là, c'est bien, ouais. Je suis désolé, ça a assuré tout à l'heure, c'était très compliqué. Bon, du coup, petit jeu de mots, mais tu vas devoir faire sport. C'est le principe chez Décathlon, mais il faut rattraper le temps que tu as perdu avec la coupure. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots, expliquer comment sont structurés les achats chez Décathlon? Alors donc, si vous n'avez pas entendu, je suis désolé. Donc moi, je suis responsable de la qualité de vie au travail chez Décathlon, qui en autre chapeaute la mission handicap. Et chez Décathlon, il y a à peu près en France 315 magasins, donc on a des acheteurs partout. C'est-à-dire qu'on n'a pas de centrale d'achat. Nous avons appliqué ce principe de subsidiarité qui fait qu'on a des acheteurs qui sont des acheteurs, mais on a aussi des directeurs de magasins, on a aussi des responsables d'exploitation, on a aussi des responsables caisses qui achètent à leur niveau, que ce soit en entrepôt, que ce soit en magasin, que ce soit en service. Donc au total, on a à peu près, 4000 personnes qui sont susceptibles d'acheter directement des achats d'irresponsables auprès des ESAT et des EA. Aller un peu vite. Bah, ça a été très, très rapide, là, c'est bon, on a rattrapé. Du coup, donc, tu disais, il y a beaucoup de magasins. Finalement, tu as pléthore de personnes et de prescripteurs concernés par les achats. Comment tu les impliques aujourd'hui? Comment tu procèdes à l'échelle nationale sur un cas de figure? On a, je ne sais pas si tu as des chiffres, mais des personnes susceptibles d'acheter, on est en centaines de personnes. Oui. Alors, la mission handicap, elle a fêté ses 20 ans l'an dernier. On en est à notre 7e accord handicap. Et on est très, très volontariste vis-à-vis du STPA, puisqu'on était à peu près sur un volume de chiffre d'affaires utile, hein, je précise bien utile, de 1,4 million jusqu'alors. Et là, on ambitionne jusqu'à la fin 2022 de passer sur un chiffre d'affaires utile de 2 millions d'euros. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on innove. Quand je dis qu'on innove, qu'on aille vraiment encourager le secteur protégé et adapté à développer de nouvelles filières. Et ça, j'y reviendrai dans quelques instants. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des référents handicap. Alors, pas dans tous les sites, naturellement. On a des référents plutôt de réseau que nous avons formés, montés en compétences et qui nous aident justement donc à sensibiliser en fait les responsables, les prescripteurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chez Décathlon, il y a un turnover interne qui est très important. Un directeur, il va rester 2-3 ans en poste, ainsi que ses adjoints. Ce qui fait que la mémoire se perd très, très vite, puisqu'un directeur de magasin peut partir en marque ou en logistique, par exemple. Par contre, nous avons des référents handicap qui sont majoritairement des vendeurs, des responsables de
rayon, qui sont plus durablement donc à leur dans leur site et sur lesquels donc on peut compter pour faire passer en fait le message constant qui est justement les achats responsables, c'est aujourd'hui et c'est pas demain. Pourquoi je dis ça aussi, parce que la RSE donc a englobé la partie handicap, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, en tout cas chez Decathlon, et on surfe sur cette vague plutôt des achats responsables pour maintenant parler plutôt des achats responsables plutôt que des achats du secteur protégé et adapté. Voilà. D'accord. Du coup, tu disais, ah oui, petite précision, Franck, tu as un très beau menton, mais il faut reculer un tout petit peu. Ça zoom, ah. Voilà. Merci. Bah oui, on voyait. Alors, il y a une option, mais tout le monde l'a pas, je pense, pour ajuster l'image. Bref, au niveau des achats maintenant, comment tu procèdes? Qu'est-ce que tu comptes mettre en place pour aller atteindre ces collaborateurs, ces décathloniens au niveau local? Quel type d'outils tu veux mettre en œuvre? Qui tu veux impliquer dans la démarche? Quel type de service? Comment on fonctionne sur vraiment une organisation qui est multisite? Alors là, moi, j'anime la responsable handicap France, qui est Laure Cotreau, qui tous les mois sort un fichier de contribution en fait, donc mensuel, qui lui permet justement d'animer ses sites auprès de la contribution, enfin, qui est une provision en fait, handicap que nous passons chaque mois. Et forcément, lorsqu'elle envoie son fichier en début de mois, ça fait réagir beaucoup dans les chaumières parce que ça peut être des sommes très importantes. Si je prends la marque Tribord que vous devez connaître, moi je suis basé à Bayonne, Tribord est à Hendaye. Tribord, c'est une contribution d'à peu près 90 000 euros. Un site comme Between, c'est les vélos chez Decathlon, c'est à peu près 300 000 euros de contribution handicap, donc quand même considérable. Et donc, forcément, une fois que ce fichier donc, est remis à jour chaque mois, on va travailler avec les référents handicap et on va travailler avec les leaders sur le développement de nouvelles filières. Vous savez que la crise du Covid a été aussi l'occasion pour beaucoup de Français de redécouvrir leur vélo. Et justement, à cette occasion, on a surfé sur cette tendance plutôt écolo de se dire, ben, les vélos, donc nous aussi, on les connaît bien puisqu'on les vend beaucoup chez Decathlon. Donc, on va inciter à la fois donc, nos clients à prendre plus de leurs vélos, à réparer leurs anciens vélos. Mmh. Et forcément, ça a créé un engouement énorme, à tel point qu'on a dû, donc, puisqu'on a repris l'activité commerciale le 11 mai, on a dû rapidement faire appel à de la main-d'œuvre chez les ESAT, justement, pour avoir des monteurs de vélos. Je précise bien, des monteurs de vélos. On a été submergé par une vague incroyable qu'on n'avait absolument pas prévu, à tel point qu'au bout d'un mois et demi, on n'avait plus de vélos. Et à l'heure où je vous parle, on a beaucoup de mal encore à avoir des vélos qui viennent quand même malgré tout de Chine. Et la Chine ne va pas très très bien, quoi qu'on en dise, sur le plan de la production. Et donc forcément, aujourd'hui, on a un peu ralenti notre activité concernant donc, les ESAT. Mais en fait, on se prépare à une deuxième vague plutôt économique très forte qui arrive vers novembre et décembre. On va recevoir beaucoup, beaucoup de vélos. Et là, on est passé à un stade supérieur, c'est-à-dire qu'on est en train de former des réparateurs de vélos parmi les ESAT et les EA. Voilà. Je vous parlerai très vite du contrat tremplin, parce qu'on se sert avec comme expérimentation sur Paris avec la NRH, pour ne pas les citer, ou même l'ADAPT, justement, de ce dispositif pour faire monter en compétence des personnes qui sont tout simplement des bricoleurs, mais qui n'ont pas d'aspiration de devenir pour autant mécaniciens. Et nous aspirons donc à faire passer des monteurs de vélos qui sont en ESAT ou en EA, à leur faire avoir une qualification de réparateur. Voilà, donc c'est important de savoir que nous développons des filières, voilà, parce qu'il y a l'achat, mais aussi l'achat pour nous, c'est de la main-d'œuvre. Donc on essaie de développer des filières à travers les process que nous connaissons. Je vous parle de la réparation de vélo, mais je pourrais aussi vous parler du cordage de raquettes, puisqu'on a fait monter en compétence un ESAT en région parisienne pour leur permettre justement. Alors, qu'est-ce qu'on fait très concrètement, hein? On livre des machines à cordée, on forme les usagers en ESAT et ensuite, on leur donne du travail. Vous voyez, je crois qu'on va au bout de la chaîne, c'est-à-dire qu'ils sont pas, ils savent pas faire, mais c'est pas grave. Ils ont pas les moyens, nous, on a les moyens. Donc, on va les voir, ils ont de la bonne volonté, ils ont de l'enthousiasme, ils aiment le sport et nous, de A à Z, on va les prendre et on va développer des process de ce type-là. Voilà, je vais vite parce que… Du coup, tu fais bien, c'est un sujet, nous, sur lequel on est sollicité, la réparation de vélo et le montage de vélo. Et c'est un bon exemple aussi, parce qu'on est sur des cas de figure où on a les compétences au sein des AT et des entreprises adaptées. Il y a de la motivation également, mais il y a une difficulté souvent aussi à faire connaître auprès des AT et des EA les besoins des entreprises ou des organisations publiques, mais de l'autre côté également de faire savoir aux acheteurs, aux prescripteurs
des partenaires qu'on accompagne que il y a cette capacité d'innovation dans les aides qui est importante. C'est un bon exemple là qu'on a sur Decathlon. J'ai une dernière question, Franck, parce qu'on approche de la fin en 30 secondes. Turnover quand même important sur les sites. Comment tu maintiens du coup à flot la communication et la sensibilisation? Voilà, le turnover, il est interne parce qu'il y a beaucoup de promotions chez Decathlon vu la croissance de l'entreprise. Par contre, on a beaucoup investi sur des métiers plutôt pérennes et stables en magasin ou en entrepôt, que ce soit des magasiniers, des responsables logistiques, des hôtesses de caisse, des responsables de rayon, qui eux vont rester entre 5 et 10 ans sur leur site au minimum. Et donc justement, la mémoire, elle passe par ces gens-là. D'accord. Qui montent en compétence. Et donc, ce qui veut dire que des vendeuses chez nous peuvent être amenés aussi à acheter et à passer donc des contrats, des partenariats avec des ESAT. La subsidiarité, en fait, elle va jusque-là chez nous. Voilà, ce n'est pas le directeur, ce n'est pas un cadre forcément qui prend ses décisions. On va la confier donc à un employé qui est hôtesse de caisse ou qui est vendeur. Très bien. Mais Franck, je te propose de rester en ligne si tu as un petit peu de temps juste après. Je souhaite qu'on finisse à l'heure. Il est 10h25, on est dans les temps. Je vous propose juste de conclure et de rendre la parole à Impact. Laurence, si tu souhaites conclure avant que nous-mêmes nous puissions dire 2-3 mots et de laisser la parole après à nos intervenants sur les questions, et ceux qui souhaitent rester auront les réponses à leurs questions. Oui, merci Fabrice. Plus qu'une conclusion, j'ai trouvé vraiment très, très intéressant de vous entendre. Et je ne sais pas si vous savez à quel point vous êtes des acteurs du plan de relance. Ce que j'ai entendu, c'est l'existence d'alternatives à l'internationalisation, même si on sent bien... par le dernier exemple, les obstacles, ça ne sera pas du 100%, mais il y a quand même des démarches sur certaines activités de pouvoir reconsolider des filières sur les territoires. Pareil, j'ai entendu des exemples intéressants concernant de pas tout centraliser au niveau des achats, ce qui permet de laisser de l'espace aux plus petites entreprises. Plein de bonnes pratiques, il y a énormément de bonnes pratiques et on reviendra dessus, on essaiera de les synthétiser et de vous les transmettre. Mais en tout cas, un grand merci pour la qualité de vos échanges. Merci Laurence. Juste pour conclure, il reste 3 minutes, on vient de poser une question à l'instant, je prends juste cette question-là, c'est intéressant, c'est que bien sûr on enregistre ce webinaire, on va le mettre à disposition, Impact également, donc on le mettra sur notre chaîne YouTube, sur notre site, et puis Impact le communiquera également là-dessus, donc ne vous en faites pas, que soyez partenaire de Réseau ESAT ou membre du Pacte, vous aurez accès à cet enregistrement. On a comme idée de bien sûr de le diffuser et que ça soit connu de tous, hein. C'est pas, y a aucun problème là-dessus. Je tenais bien sûr également à remercier nos 3 intervenants. On a essayé à travers ce webinaire avec Impact de balayer ce sujet de la stratégie de développement des achats responsables en région à travers des acteurs très différents pour que vous ayez chacun un aperçu ou que vous puissiez vous projeter dans votre organisation. Un grand merci à Laurence et à Théodore côté Impact qui nous ont accompagnés et aidés à construire ce webinaire. Et également et surtout un grand merci à Claire qui a énormément travaillé, c'est beaucoup de travail de construire ce webinaire et a fait l'interface aussi avec tous les intervenants et la construction, qu'on ait une ossature et quelque chose de cohérent, c'est également important. Je souhaite également vous indiquer, on communiquera après la date de la tournée des achats impactants qu'on organise avec Impact. Il est important que vous puissiez vous inscrire si vous êtes acheteur ou prescripteur en région, puissiez communiquer également sur ces dates. Donc, on va vous les communiquer. Il reste des dates. Alors, je ne les ai plus en tête. Claire ou Laurence, tu pouvais m'aider. J'ai mal révisé. La prochaine sera le 15 en Nouvelle-Aquitaine. 15 en Nouvelle-Aquitaine, on a PACA, PACA après, et on attend des précisions sur Pays de la Loire. PACA le 5 novembre, oui, exactement. Voilà, et petite précision également, si vous êtes partenaire du réseau GESAT, que vous avez entendu aujourd'hui des initiatives qu'on fait tilt chez vous, n'hésitez pas à les faire remonter à vos responsables de partenariat. Si vous n'êtes pas partenaire du réseau GESAT, mais que vous souhaitez nous questionner là-dessus, n'hésitez pas également.
Laurence et toute l'équipe aussi d'Impact sont à votre disposition. Donc, il est 10h29, on a un petit peu d'avance. Claire, moi, j'étais concentrée avec Franck. Je te laisse la main si tu veux reprendre des questions. Oui, on avait une question, question similaire des deux Anne-Marie pour Franck, qui était comment vous abordez finalement les ESAT et les entreprises adaptées pour co-créer avec eux une nouvelle activité et combien de temps ça prend en moyenne? Oui, alors la réactivité pour... m'entendez? Oui. Oui, pardon. La réactivité chez nos magasins, c'est pas un vain mot. C'est-à-dire que lorsque on ambitionne de développer une activité. Je reprends l'activité, la dernière, c'est, alors, je ne parlerai pas des vélos, je parlerai de la filière cordage de raquettes. Lorsque justement on sent qu'il y a une possibilité de développer une filière alternative, on va repérer, parce qu'on a des contacts, on travaille avec beaucoup, beaucoup de ZAT depuis bientôt 20 ans, donc on a repéré des partenaires, des prestataires qui sont plus que des prestataires, mais des partenaires. Et justement, ce que l'on fait par rapport à eux, c'est qu'on va les rencontrer, c'est moi c'est généralement qui vais les rencontrer, pour d'autres raisons que je vous expliquerai, j'ai une affinité très étroite avec les ESAT et je suis content d'ailleurs. Je fais une digression, mais je tiens à remercier le réseau GEDAT parce que ça fait longtemps que Decathlon est partenaire, mais le réseau GEDAT nous a fait aussi monter beaucoup beaucoup en compétences. Donc je voulais le dire au passage. Merci à Fabrice pour ton efficacité. Voilà, je suis en la parenthèse, mais c'est important de le dire parce que la filière, par exemple, le cordage de raquettes, c'est une filière qui a un an. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On décide d'aller voir des prestataires qu'on a repérés, on va discuter avec eux, on va discuter avec les usagers, et ensuite, on va faire un test, tout simplement. Donc là, on a fait livrer, par exemple, des machines à corder dans un ESAT. On va faire former avec nos équipes en interne des usagers qui ont le profil, hein, qui veulent naturellement prendre force personne, et ensuite, on lance le process auprès d'un magasin, 2, 3, 4, 5 magasins. Sur l'agglomération parisienne, c'est 45 magasins. Donc, vous imaginez le potentiel qu'il y a. Et ça ne concerne pas un ESAT, hein, ça concerne plusieurs ESAT. Donc, généralement, on passe de la phase réflexion à la phase action en moins de 3 mois. Voilà, c'est une exigence que l'on a parce que, justement, on va vraiment le faire quand il est chaud. Et pareil pour l'activité vélo, hein, je vais vous dire. Hein, l'activité vélo, on a été débordés dès le 11 mai. On s'est mis en œuvre et grâce, encore une fois, au réseau GEDAT, on a pu mobiliser beaucoup, beaucoup de partenaires. Et on aspire, lorsque les vélos reviendront rapidement dans nos magasins, même passer à une étape supérieure. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, on a recensé 60 ESAT en France susceptibles de nous soutenir et de nous apporter cette compétence-là. Et on passera au cap supplémentaire qui est en plus donc la réparation de vélo. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Merci Franck, moi, ça m'a paru très clair. Hein. On n'a pas de questions complémentaires, donc je pense que ça l'est aussi pour les gens qui sont encore parmi nous. Est-ce que, voilà, bon, le temps est écoulé, mais si vous avez d'autres questions avec nos intervenants. On avait bien repris toutes les questions, Claire, j'ai pas suivi. Il me semble, alors n'hésitez pas hein, si jamais on en a oublié une, mais je crois qu'on a répondu à tout. On a une dernière question d'Anne-Marie Dunay qui demande si ce type de prestation se fait, vous arrivez à maintenir le prix du marché via ces partenariats. C'est pour moi. Oui, c'est pour vous. Ah oui, tout à fait. En fait, encore une fois, on challenge les ESAT et les EA, parce qu'on travaille aussi avec les EA, mais en fait, bien sûr, c'est très important cette dimension coût, parce que j'ai envie de vous dire que si on veut des collaborations qui soient durables et pérennes, une fois qu'on a passé la main à des magasins et à des entrepôts, ben, cette partie facturation est essentielle. Donc, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Il faut que les structures trouvent leur compte, il faut que les magasins trouvent leur compte, parce que c'est la garantie d'une pérennité. Voilà, on a constaté que quand on était moins 10 ans ou mieux 10 ans, ben, ça ne marchait pas. Quand c'était déséquilibré, ça ne marchait pas. Donc, il ne s'agit pas de faire tous les efforts d'un côté ou tous les efforts de l'autre, mais que ce soit vraiment gagnant-gagnant. Et moi, je m'assure, avec Laure Cottereau, qui est la responsable Handicap France, que ce partenariat est vraiment un partenariat équilibré. Voilà, ça c'est une question importante, je remercie Anne-Marie de l'avoir posée, parce qu'en effet, ça fait partie du pacte, on va dire, sans mauvais jeu de mots, qui fait que cette collaboration, elle dure depuis des années, et qu'on ne fait pas de one-shot. On avait préparé, Laurence, le jeu de mots. Voilà. Et on a également Anne-Marie Tristan qui demande si elle pourra avoir vos coordonnées, Franck. Avec grand plaisir. Il faut passer par mon agent qui fait Fabrice. De manière, est-ce qu'on peut transmettre éventuellement vos coordonnées en restitution à ce webinaire, de façon à ce que si certaines personnes veulent aller plus loin et bénéficier de votre expérience, elles puissent vous contacter. Est-ce que c'est OK pour vous trois Oui, Vincent, bien sûr. Aucun problème.
C'est parfait. Oui, oui. Allez-y, transmettez-les, pas de souci. Parfait. Merci. Bon, bah, du coup, on est bon. Est-ce qu'il y avait plus d'autres questions ? Pour moi, c'est bon. Bah, pour moi, c'est bon. Si jamais des questions vous reviennent, hein, n'hésitez pas à nous les transmettre suite au webinaire ou à échanger directement avec les intervenants. Hein. C'est, voilà, libre échange, c'est fait pour ça. Merci à tous. Merci aux trois intervenants. Merci à toute l'équipe d'Impact. Merci Fabrice. Merci. On espère vous retrouver bientôt. Petite précision, justement, avec Impact et Laurence, on a prévu sur le premier trimestre 2021 de monter un événement similaire à celui-ci. On va vous tenir informés, on est en train de le construire. Merci beaucoup. Merci de raison, j'ai hâte. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir Laurence, au revoir Théodore. Merci beaucoup, au revoir.